Boire du vin rouge tous les jours, est-ce que c'est bon pour la santé? D'où vient cette légende? Dans les années 90, on a constaté que les Français avaient moins de maladies cardiaques comparées aux habitants des autres pays, malgré un régime alimentaire plus gras qui vient de notre cuisine traditionnelle. À ce moment-là, les chercheurs comprennent pas trop et ils appellent ça le French Paradox, parce que normalement, la graisse, c'est pas très bon pour la santé. Le pays où les habitants vivent le plus vieux, c'est le Japon, et ils mangent beaucoup moins gras. Il y a peu de viande, beaucoup de poissons, de thé et de soja. En 91, un chercheur bordelais passe à la télé américaine et il dévoile que l'un des secrets de cette longévité des Français, ce serait leur consommation modérée de vin rouge. My explanation is of course the consumption of alcohol. En gros, il y aurait des antioxydants très puissants dans la peau et les pépins du raisin, et ça protégerait des maladies cardiovasculaires. Cette annonce fait exploser les ventes de vin rouge partout dans le monde, et encore plus en Amérique du Nord et en Asie, mais ça a été très controversé, parce que ça reste de l'alcool, et surtout parce qu'il y avait énormément d'intérêts économiques derrière, vu que la France est le premier exportateur mondial de vin. En 2018, après une grosse étude sur 25 ans et 195 pays, les scientifiques s'accordent à dire que l'alcool n'est pas bon pour la santé, même en faible quantité, et même quand c'est du vin rouge.